club, nous sommes des étincelles de lumière, lumière, lumière. Nous sommes le Wings Club, on a le pouvoir, on vous éclaire, éclaire, éclaire. Wings Club, nous sommes des étincelles de lumière, lumière, lumière. Des amis et des fées, on chante, on peut danser, en nos cœurs les feux brillent lorsque nous sommes réunis. Wings Club, on a le pouvoir. Jim et Bloom ont affronté les pirates zombies, mais ils ont vite été dépassés et se sont fait kidnapper. Silka s'est avérée n'avoir aucun talent pour le snowboard, mais elle est très douée pour réparer les montres. Les Wings ont donc pu utiliser la montre que Bloom a trouvée pour pénétrer dans le monde des rêves afin de la sauver. La chute de la reine. Alors, par où on commence? Bloom peut être n'importe où. Musa, attention! Nos attaques ne sont pas assez puissantes. La magie indirecte fonctionne mieux. Finissons-en avec lui et allons chercher Bloom. Oh, regardez, il s'enfuit! Poursuivons-le! Les bois s'épaississent. Layla, derrière toi! Où est-il passé? Plus aucune trace du monstre. Je peux essayer d'accroître mon sens de l'ouïe pour entendre ses mouvements. Intercepté. Suivez-moi. Tu l'entends toujours? Je crois que la forêt interfère avec mon pouvoir. Où est-il allé? Hein? C'est une excellente question. Mais l'autre question, c'est où sommes-nous? Où se trouvent les Wings? Eh bien, elles devraient être arrivées. Oui, ça, je suis au courant, mais ce n'est pas le cas. Elles sont censées venir avec les finalistes de l'émission. Eh bien, l'émission commence dans moins d'une heure maintenant. Oui, je le sais, merci. Sortez d'ici. Pourquoi est-ce que je dois toujours tout faire moi-même? C'est bon, je vais les chercher. L'homme crocodile nous a attirés dans un piège. C'est un labyrinthe. Votre Majesté, voici la fée et le traître. Joli travail. Vous m'avez mis quelques bâtons dans les roues, tous les deux. Mais à présent, on dirait que vous faites beaucoup moins les malins. Je me trompe? Pourquoi est-ce qu'elle a la voix d'Annabelle? Elle lui a pris sa voix. Avant l'enlèvement d'Annabelle, elle était incapable de parler. Cette voix est la plus magnifique de toutes celles que j'ai pu entendre à travers le monde entier. Et mes ombres ont fait le reste. Même si quelqu'un a voulu me doubler en tentant de kidnapper Annabelle avant moi. J'essayais simplement de la protéger.
Si c'est vraiment toi le voleur de talent, qu'as-tu fait de ceux qui ont disparu? Venez, suivez-moi. J'ai une idée. Suivez-moi en volant aussi vite que vous le pourrez. Volez droit devant. Utilisez tous vos pouvoirs. Par ici. On a beau voler aussi vite et aussi loin qu'on peut, j'ai l'impression qu'on se retrouve toujours au point de départ. C'est un labyrinthe magique. J'analyse les environs pour trouver une sortie. Je dois avouer que je comprends de moins en moins ce qui se passe, pas vous? C'est compliqué. L'organisme des plantes se transforme de façon dynamique et s'adapte à nos mouvements en temps réel. Ce qui veut dire? Qu'on ne peut pas sortir du labyrinthe. Attention! Nous avons de la compagnie, les filles! Tenez-vous prêtes à répliquer. Attendez, ces plantes sont la nature. Essayons d'abord de leur parler, d'accord? Nous sommes à la recherche de nos amis. Nous essayons de les libérer de la reine. Prouve-nous que vous souhaitez vraiment combattre la reine. Je ne peux pas, mais je peux vous prouver que nous ne vous voulons aucun mal. Je suis venue vous parler pour que vous puissiez lire dans mon cœur et voir que je suis sincère. La forêt a une énergie féerique comme la nôtre. Je crois que la reine a tenté de la corrompre. J'ai parlé à l'esprit de la forêt. J'ai essayé de lui montrer que nous voulons faire le bien et que c'est pour sauver nos amis du danger que nous sommes venus. Et tu penses qu'elle t'a cru? Chère fée, bienvenue dans cette forêt. Je vous souhaite de mener à bien votre mission contre la reine. La forêt nous montre le chemin pour retrouver Bloom. Hey, ça s'est bien joué, Flora. Ma collection de talents est extraordinaire. Je peux me battre comme Io, chanter comme Annabelle, utiliser les talents des autres, c'est injuste. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous ne devriez pas voler les capacités des autres, mais développer vos propres talents. Comment oses-tu? Arrête un peu de l'énerver! Vous chantez, vous combattez et vous dansez uniquement parce que vous leur avez volé leurs talents. Arrête! Leurs talents leur appartiennent. Et leurs rêves aussi. Leur talent est le prix qu'ils doivent payer pour le rêve qui m'a été enlevé. Et quel était votre rêve? Écoutez, arrête de parler. Il est plus que temps que mon nouveau rêve devienne réalité. Tu es exactement celle dont j'ai besoin. Ton pouvoir féerique va être extraordinaire. Dépêchez-vous de me le ramener! Rattrapez-le!
Où te caches-tu, Jim? Homme crocodile. J'en ai plus qu'assez de toi. Tu m'as menti et tu as mis tout en œuvre pour faire échouer mes plans. Tout ce que je voulais, c'était protéger Annabelle. Oui, et pour ça, tu as désobéi à mes ordres. Laissez-moi partir. Shaman, tu veux peut-être lui dire quelque chose? Tu n'es qu'un traître. Tu as comploté contre nous. Allez, lâche-le. Laisse-le affronter son accusateur. La reine s'est montrée clémente une fois en te bannissant sur Terre. Mais tu m'as volé la montre et tu es revenu. Maintenant, tu vas payer. Non, votre majesté, laissez-moi encore une autre chance. Non, le chaman a raison. C'est fini pour toi. Occupe-toi de lui, homme crocodile. Non! Oh. Oh. La reine a enlevé Bloom. Elle est là-haut avec les autres. On arrive, Bloom, tiens bon! Attrapez-les! Allez, va te battre, toi aussi. Votre Majesté, vous oubliez que vous avez pris mes pierres. Prends-en une. Vas-y, montre-moi ta loyauté. Oui, ma reine. Les pirates aussi connaissent quelques tours de magie, tu sais. Hein? Plus les rugissements de ton ennemi sont forts, plus l'arme que tu peux utiliser contre lui est puissante. Il est immunisé contre la magie directe, mais pas contre la réverbération de son propre rugissement. Il faut nous débarrasser de cette tornade infernale. Oh. Intercepté. Attends. Joli travail d'équipe, les filles. Allons sauver Bloom. Mes sous-fifres ne sont que des bons à rien. Quant à vous cinq, je trouve que vous vous mêlez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas, bande de fouineuses. Oh!
Vous ne pouvez pas me vaincre. Tu entends? Elle a la voix d'Annabelle. Oui, et en plus, elle combat comme You. C'est fini. Vos pouvoirs féeriques sont puissants. Mais malheureusement pour vous, le mien l'est encore plus. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, elle détient le pouvoir de feu de Bloom. Voyons, quel pouvoir vais-je garder? Et de qui vais-je me débarrasser? Non, je vais me débarrasser de vous toutes. Hein? J'aurais dû les renvoyer il y a bien longtemps. Elles devaient simplement conduire les talents à la finale. Mais elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent la poudre d'escampette. Non, ça ne va pas. Ça manque de sel, voyons. Augmente le feu. Trop salé. Vincenzo, il faut que vous veniez, c'est la finale de WoW. Laissez-moi d'abord finir ce timbalo et je viens. Je cherche les Winx, vous ne les auriez pas vues. Elles sont introuvables. Laissez-moi d'abord finir ce timbalo et je viens. Les Winx, je cherche les Winx. Eh bien, elles ne sont pas dans ma cuisine. Et maintenant, à moi d'utiliser mes pouvoirs. Ta magnifique voix. De nous avoir sauvés. On a beau être dans le monde des rêves, ça a été un vrai cauchemar. Je suis contente que tout soit fini. Il faut que nous rentrions sur Terre et vite. Tout le monde est prêt? Je crois que je vais rester ici. Je vais tenter de retrouver la reine et de la vaincre une bonne fois pour toutes. Si tu as besoin d'aide, on sera là. Je peux vous ouvrir le portail? Merci pour tout, Jim. Les Winx, est-ce que vous êtes là? Je finirai bien par les trouver. Il y a forcément un indice quelque part dans ce loft. Aïe. Aïe. Non, non, non. Elles doivent bien être quelque part. C'est impossible qu'elles aient... Wow, 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 wow. Bonjour à vous, mes très chers fans.
Qu'est-ce que... Bonjour, Ace. Alors, qu'est-ce que vous faites chez nous? Chez vous? Ben alors, qu'est-ce que vous faites? On vous attend. Vous êtes en retard pour la grande finale de... Waouh, 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 waouh! D'accord. Hein? Annabelle, la jeune fille disparue, a été retrouvée et aucun acte criminel n'est suspecté quant à sa disparition. On ne parlera ni de montre magique, ni de portail transdimensionnel. Ni de voleurs de talent, ni de fées. Affaire classée. Bonne chance à tous. Alors, vous vous sentez prête pour la grande finale? Après tout ce que nous avons vécu, je crois qu'on peut tout affronter. Tout à fait d'accord. Bienvenue à tous pour cette grande finale de Waouh! L'émission de ce soir promet d'être fabuleuse! Nous avons parmi nous des talents extraordinaires venus du monde entier! Content de vous revoir, Blue! Merci, Ace! Je vous en prie, pardonnez-moi de m'être ralliée à la reine. Je ne vous trahirai plus jamais. On se connaît depuis longtemps, tous les deux, mouche. Et tu sais quoi? Tu as toujours été comme ça. Un vaurien, un coquin, prêt à tout pour quelques pièces d'or. Pardonnez-moi. Un véritable pirate, en somme. Tout comme moi. Que dirais-tu de reformer notre vieil équipage? Avec le vieux capitaine? Qui est maintenant devenu le jeune capitaine? La reine était impitoyable. Mais nous pouvons remercier Clochette pour au moins une chose. Elle m'a vraiment redonné ma jeunesse et ma santé. Pas vrai, mouche? Ah oui, ça c'est sûr, capitaine. Alors, tu es avec moi. Donc, à vos ordres, capitaine Crochet. Le pays imaginaire sera bientôt à moi. C'est le moment.